Hey, salut à tous, c'est Valbitbox pour une nouvelle vidéo sur Minecraft et sur la map zombie. Et putain, je lag pas. Wow, et on va prendre juste du lait parce que ça va vous énerver, je pense. Les petits trucs qui nous tournoient tout autour là. Et attention, et voilà, on ne les voit plus. Donc, alors, j'ai bien travaillé et on se retrouve, c'est le dernier épisode sur la map zombie. J'ai quand même assez bien travaillé, quand même, un petit peu. Donc. Alors j'ai là il n'y a rien en soi qui a changé, sauf que maintenant il y a ça qui a été rajouté, compteur de vagues. Là on va faire les petites modifications qu'il reste à finir. Et alors qu'est-ce que c'est? En gros, à chaque vague, la give, on va être givé. Par exemple, la première vague c'est 15 et là il y a un petit c'est marqué waves 1 et je l'ai coloré en jaune, sauf que vous allez voir que il y a un petit bug. Ça je l'ai fait via MC Edit, j'avais déjà. Voilà. En gros, il n'y a que le premier mot qui va être affiché en jaune. Mais bon, c'est pas très important. Il me semble qu'on peut le faire avec des command blocks, mais j'ai cherché, j'ai pas réussi à trouver. Donc si vous le savez ou ça m'intéresse, si vous le savez, marquez-le dans les commentaires. Ça m'intéresse parce que là c'est bien affiché tout. Et en fait, si vous regardez le petit 1 et je reste juste en blanc, et après vous allez voir, c'est beaucoup plus flagrant. Ensuite là c'est que 10, ensuite là c'est 10 et ça va rester à 10. Là j'ai un petit peu tout inversé, warning boss. Et là on a aussi 10. Alors jusque là rien de très très spécial. Terminé. Là on va le voir, ça va être beaucoup plus flagrant là dessus. Si je prends n'importe quoi, ça va pas trop faire. Vous allez voir que normalement, voilà. Là on voit que, regardez bien le chat, hein, je vous parle du chat. De toute façon vous voyez pas ma souris. Et oui, et aussi j'ai renommé les command blocks pour que ça marque pas @A, mais que ça marque, vous allez voir dans le chat, c'est marqué zombie waves 3. En gros c'est comme si c'était un zombie qui parlait, au lieu que ça fasse autre chose. Alors là c'est say boss, say wave 5. Et là, ici on a nos give. Et ici on a un squelette avec le move speed qui a été modifié de 2,75. Ça veut dire qu'il va un tout petit peu plus vite qu'un squelette normal. En plus, je lui ai. Hop, alors c'est un skeleton. Je dis où est-ce que je veux l'afficher. Summon skeleton. Base. Ça, c'est un squelette normal. Ensuite, on marque les coordonnées. Et là, je mets active effect. L'idée numéro 11 amplifié. Je vais pas vous faire un tuto carrément là-dessus parce que j'ai cherché vraiment beaucoup et j'ai voilà. La duration, c'est l'effet 11 et l'effet 5. Ça sert à lui mettre du speed parce que même sur mes zombies, je leur ai mis du speed. C'est juste pour qu'on puisse voir par rapport aux particules. Mais sinon, ça n'influe en rien. C'est juste le move speed qu'on peut marquer à la boss. On peut marquer. Et en gros, il y a 12 vagues. Ensuite là ça laisse passer un peu de temps et là paf, amplifiède. Et là déjà c'est exactement les mêmes attributs que l'autre, sauf que là c'est un géant. Et comme c'est la dernière vague, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu un truc de ouf, un géant. Je sais pas, vous voir, putain de lag, c'est n'importe quoi. Voilà, 50 fps, ah ça fait du bien. Et là quand les gens recliqueront une dernière fois, ça putain, c'est quoi ces lags là? Je comprends pas. Ok, on se barre. Et donc, le géant pourra spawner. Et c'est un petit peu un truc de ouf. On peut pas les faire spawner naturellement. Pourquoi il y a ça? C'est assez. Attendez. Je n'avais pas fini la map ou j'ai. Ah ouais, je crois que j'ai. Mais non, je suis du mauvais côté. Ici, il n'y a pas besoin. Et nous, on aura tout cet espace libre. Ah oui, au fait, j'ai cassé un petit peu ici. Je sais plus si je l'ai montré dans un autre épisode. Parce que j'ai vu que c'était vraiment chiant. Parce que quand on arrivait. Putain, les lags, je comprends pas. Voilà, là, je récupère tous mes FPS, c'est tout beau. Là, en gros, quand on arrive ici, parfois on est vraiment bloqué. C'est vraiment chiant. Il me semble que j'ai fait la même chose de l'autre côté en symétrie ici. Et comme ça, on peut toujours passer comme ça. Alors, dans le prochain épisode, je testerai la map zombie. Et elle sera en téléchargement dans la description dans le prochain épisode aussi. Ensuite, j'ai remarqué aussi un bug. Si je prends un zombie, c'est pas un bug, hein, c'est tout à fait normal. Et que j'en mets plein ici. Vous allez voir que si je me téléporte au shop, voilà, j'ai tous mes beaux zombies. Retour à la map zombie.
des spawns parce que le shop est beaucoup trop loin. Alors qu'est-ce que ça influe en fait en soi? C'est que c'est vraiment très embêtant parce que les gens pourraient arriver, ah bah je vais au shop, trop bien, et là voilà, ils arrivent à se barrer comme ça. Alors je sais plus si j'avais montré les autres échanges, mais c'est des livres d'enchant que vous pouvez, pour les épées c'est des livres d'enchant, et pour les armures c'est des armures déjà toutes faites. Les armures on avait déjà vu, et les livres d'enchant ce sera pour les épées. En tout cas j'ai déjà fait un petit test, c'est vraiment sympa, en tout cas je trouve c'est sympa. Et donc pour éviter que les gens fassent ça trop vite, de toute façon ils pourront le faire, on va prendre un petit peu de place et on va laisser un petit temps. Quand on appuie sur le bouton, on ne pourra pas venir tout de suite appuyer sur le chop, parce que de toute façon il faut quand même un petit temps pour tuer les zombies. Donc là on va faire un petit CTRL A, CTRL C, on a retenu notre commande. Là il nous faut de la redstone, oula de la redstone. Ça faisait longtemps, clac, clac, on a nos blocs, clac, clac, clac. Ça va pas bloquer, oui, aucun problème. Juste petit problème qui va être embêtant. Ah, ça c'est un petit peu embêtant. Parce que là vous voyez, je veux mettre un petit parterre comme ça. Là il me faudrait une... On va mettre un carpet hein, dessus. Tapis, on va être obligé parce que sinon la redstone ne va pas passer à travers le bloc. On va prendre un petit tapis vert. Voilà, on va prendre tapis vert. Clac, clac. Et oui, les tapis peuvent se poser comme ça. Et là tu ne veux pas. Et là si je pose... Ah, il y a le bouton en plus qui va être chiant. Je sens qu'on va devoir mettre une dalle de toute façon. On va peut-être mettre une dalle de tout autour. Ce sera plus sympa. Parce que les dalles laissent passer le courant. Ouh, il y a les nouveaux bois. Je pense que ça c'est plus sympa quand même. Hop, on va faire ça comme ça. Position haute. Ça laissera passer le courant. Il n'y aura aucun problème pour ça. Clac, clac. De toute façon on a fait la même chose pour l'autre. Oula, ah il y a quelques petits bugs graphiques encore à corriger, Mojang. Là normalement vous allez voir que si je clique, voilà le courant s'allume. Même si là c'est complètement bugué graphiquement. Donc on va aller par là-bas. Ça on s'en fout, de toute façon ça c'est fini. On n'aura plus besoin de ça. C'était des sponsors hein, comme je pensais le faire. Mais comme la 1.7 est arrivée beaucoup plus vite que ce que je pensais, j'ai construit la map beaucoup trop lentement que ce que je pensais, c'est aussi une solution. Je sais pas du tout combien de temps l'épisode durera, mais il durera le temps qu'il faut. Alors, il me semble que j'ai aussi récupéré ça pour les lumières, dire quand est-ce que vous pouvez rappuyer. Donc on va récupérer exactement ce même courant que pour les lumières. En gros là, dès que vous appuyez, en gros, là ça va lancer un bloc. Donc ça va... Oui, là il y a que deux blocs de laine de toute façon. Ça va lancer les blocs, ce qui va les mettre là et donc activer du courant. Ce qui va mettre le piston. Il manque pas un piston ici. Il manque pas un piston. Il me manque un piston, il me semble. Je vais faire juste une petite coupure et on se retrouve tout de suite après. Ah non, apparemment quelque chose que je ne savais pas. Les lumières sont allumées là-haut. Vous allez voir, les lumières s'éteignent. Là, il peut récupérer les hopper swappers peuvent marcher qu'avec un seul piston. Je m'en rappelais plus. J'avais déjà dû faire les tests. Mais ça marche avec un seul piston là normalement. Vilaine. VTF. D'accord. Les zombies sont. Viennent. D'accord. On va faire un petit truc un peu pour les faire despawn. Vous inquiétez pas. On va faire slash mode paisible. Ok. On les a tous kill. Facile. Donc là, je sais plus combien d'items j'avais. C'était deux, il me semble. C'était deux items. On va voir ça tout de suite, de toute façon. Hop, il en reste trois. Hop, et voilà. Oui, c'était bien deux items. Donc les lumières, en fait, vont être éteintes. Et plus il y aura d'items, plus ça va être long. Donc le bloc de redstone va être là. Tant qu'il y a des items là, et dès qu'il n'y a plus rien, ici, ça, il y a aussi. Hop, ça reprend. Le courant. Il y a un truc qui est chelou. Non, c'est tout à fait normal. Ça reprend le courant et donc voilà. Donc nous, si on laisse un petit peu plus de temps, ce sera le temps juste de spawn et le temps de rapatriement aussi.
parce que les blocs vont faire clac et clac. Donc ça va nous prendre les deux. Donc je pense que on peut pas les kill en instantané. Donc on va récupérer le courant n'importe où. De toute façon il nous faut quand même même plus de délai, ce sera jamais assez bon. Ah ça c'est de la claire que j'ai. Et donc on va le faire passer par là-bas. Laisser un petit peu de temps comme ça, ça fera pas de mal à notre petite map. Hop. Comme ça, ça évitera. Je le marquerai dans les règles, mais de toute façon, parfois on fait pas attention. Moi j'avais remarqué ce bug parce que souvent les gens aiment bien. Je dis pas parce que je fais la même chose dans les maps zombies. On aime bien céder du shop quand il est à l'extérieur, le shop. C'est-à-dire que en gros il y a le shop, ah vite je vais mourir, on récupère dans le shop. De toute façon ce n'est pas spécial, ce n'est pas précisé qu'on a le droit qu'à une seule vie, mais faut quand même pas en abuser je pense. On va mettre ça à 4 tics, ce serait toujours ça de gagner. 4 tics de plus, mais on a le droit à plusieurs vies. Rien n'est précisé, surtout en multi, parce que on peut pas, hein, même si on bloque la personne dans une cage ou n'importe où que vous voulez, on peut toujours se TP, hein, de toute façon n'importe comment, on peut très bien utiliser le game mode. Après pourquoi je viens là, faut pas venir jusque ici, ce sera un inverseur. Alors il me faut une torche, c'est toujours plus pratique. Ici un petit inverseur qu'on va faire avec, comme ça. On va prendre un piston collant. J'aurais pu le récupérer dans le truc redstone, mais non, voilà, je le fais pas. Hop, on récupère le piston collant. Hop, ici, normalement, si je mets du courant là, il s'étend. Je l'enlève, il s'étend pas. Il reste étendu. C'est normal. Voilà, là, ça marche peut-être mieux. Parce que là, le problème, c'est que vous voyez, je dirige le courant d'un côté. Voilà, et voilà. Donc là quand il est tendu, nous ce qu'on veut en fait, on va le rapprocher même de 1 de plus. Là on va prendre une petite redstone, on va le mettre là, là ici on a vu qu'il y avait ça, on va récupérer ça. C'est à dire que quand il sera étendu on pourra rentrer dedans, parce que là bas ça y est pas, mais quand il y aura les lumières allumées on pourra plus, parce que si vous cliquez sur le bouton ça ne passera pas, vous allez bien le voir. De toute façon que ça devrait marcher, je dis bien ça devrait, plus ou moins, clac, voilà, et normalement c'est pas trop mal. Là je vais garder mes petits zombies, et aussi pour renommer un command block par exemple, là quand je mets un slash say salut c'est moi, voilà, là vous voyez ça fait un petit arrobase A, et moi comme je voulais pas ça, j'ai fait un petit zombie. Vous le renommez avec l'enclume et là vous allez voir que votre command block renommé say salut. La différence c'est que ça marche zombie. En plus je crois que j'ai fait une faute. Ok, on n'a rien vu. on va remonter là-haut. Oui, on remonte en bas. Oui, bien sûr. Hop, voilà, vous voyez ici, il y a aussi des demi-dalles, des dalles, je veux dire. Et là normalement, si on va tout reboucher, j'avais beaucoup ouvert, mais. Aucun intérêt. Hop. Et dans le prochain épisode, on fera le test de la map zombie. Et là, normalement, aucun problème. Nous sommes téléportés à l'endroit d'ici. Voilà, retour à la map. Clac. Et voilà. C'est assez sympa. Donc, qu'est-ce que je voulais faire d'autre à part ça? Il me semble que c'est tout. Donc, je vais faire une petite coupure parce qu'il me semblait qu'il y avait autre chose que je devais vous montrer. Et donc, on se retrouve tout de suite. Donc, non, rien de spécial. Donc, l'épisode sera un petit peu plus court. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Mais il y avait des choses que je ne vous avais pas montrées. La map a été totalement finie. Graphiquement, je parle. Là, on ne peut pas voir de sortie du désert qu'il y a dehors. Il ne peut pas pleuvoir normalement. Le ciel peut s'assombrir, mais il ne peut pas pleuvoir. Là, ça rend. Bon, en tout cas, moi, je trouve qu'elle n'est pas trop moche. C'est pas très fort en déco, donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en trouvez quand même, si vous trouvez ça sympa ou pas. Là normalement on ne peut pas sortir, juste pensez à mettre des voilà
pensé à mettre des échelles ici, parce que je sais qu'on peut être éjecté de la map, ce qui peut être vraiment très très embêtant. Là on peut pas sortir, mais je sais que là-bas il n'y a que une demi-dalle. Parfois ça m'est déjà arrivé de me faire bloquer dans le coin parce que j'ai déjà testé la map, et comme vous sautez pour mettre des coups critiques, les zombies peuvent vous faire sortir, donc j'ai mis des échelles. Mais bon, à ce moment-là, les gens pourront tricher et se mettre comme ça, blablabla. Mais ça, de toute façon, c'est pas mon problème. Moi, j'ai créé la map. Après, si les gens veulent tricher, ils font comme ils veulent. Donc, oui, je voulais aussi vous montrer un petit peu là-haut. Et donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, parce que ça m'a pris quand même pas mal de temps à créer cette map. Et dans le prochain épisode, on la testera et elle sera à télécharger. Donc, j'espère que vous pourrez la tester et qu'il n'y aura pas de problème dans le téléchargement. Là j'ai fini un petit peu aussi ici, j'avais dit que je le changerais. La rotaine flèche est utile pour acheter des épées, armures, tuer tous les zombies avant d'aller au shop. Ça c'est ce que je venais de vous dire. Là j'ai mis une petite tulipe. Bon, map créée, réalisée par Valbitbox, c'est un petit peu normal que je le marque. Choisir sa classe et commencer. Là vous pouvez choisir votre classe, et là j'ai rajouté des petites tulipes. On va même mettre une tulipe rouge. C'était pas dans Divers, c'était la tulipe rouge. Je trouvais elle ressemble vachement à l'autre. Non, bah alors c'est une tulipe rouge que j'ai posée, pas une orange. On va mettre une blanche aussi. Ouais, une blanche. Allez. Ouais, plus jolie. Voilà, on va mettre ça. Donc voilà, c'était Valbitbox. J'espère que ça vous a plu. Et donc on se retrouve dans le prochain épisode pour pouvoir tester tout ça. Et donc, salut à tous, c'était Valbitbox.